Hey, salut à tous, salut à toutes, c'est DR36 pour une nouvelle série sur Banished, un jeu de gestion, city builder, survie on peut même dire, parce que la particularité de ce jeu c'est qu'il y a des phases de survie. On commence avec quelques colons, quelques paysans, on a quoi, une dizaine d'adultes, quelques enfants, et puis il faut survivre à la saison d'hiver qui s'annonce, parce que si on n'a pas un toit, ça va être compliqué, si on n'a pas quoi se chauffer, ça va être très compliqué, et puis je vous parle même pas de si on n'a pas à bouffer, tout le monde va crever très vite, et puis le jeu va s'arrêter rapidement. Donc j'ai dû jouer une dizaine d'heures au jeu de base. J'ai fait quelques parties où je suis arrivé à la dernière, à ma troisième ou quatrième tentative, à environ 150 habitants, et le truc tournait pas trop mal. Comme j'ai beaucoup aimé ce jeu, ça m'a rappelé un peu les jeux de gestion pur et dur de style Anno et compagnie. J'avais envie de vous faire partager ça, et donc j'ai téléchargé le mode comment il s'appelle déjà, Colonial Charter, voilà, avec l'aventure Golden Lama, le lama doré. Ça me fait penser un peu à du Tropico, tout ça, et je sais pas trop ce qu'il en est, comment il faudra faire. Je crois que c'est une histoire autour du commerce. Il y aura beaucoup plus de métiers qui seront disponibles, mais pour l'essentiel, les concepts et les mécaniques sont les mêmes. Donc je vais pas parler beaucoup plus longtemps, si ce n'est que je voulais juste vous préciser que c'est un bac à sable. Il n'y a pas de nouveaux bâtiments à débloquer, tout est disponible depuis le début, mais il faut simplement construire intelligemment. Donc à nous fixer des objectifs, et puis là par exemple, déjà atteindre une colonie avec 300 villageois, je pense que ça serait une bonne chose. Après, suivant si j'ai toujours envie, si ça vous plaît, on pourra faire d'autres objectifs. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup, je suis à 0%. Donc on va lancer la nouvelle partie. Ici j'avais mis Méditerranée, j'ai commencé un test avant, mais finalement c'est un peu con parce que on va mettre tempéré tout simplement, parce qu'il y a un hiver qui est plutôt doux, hein, il fait pas plus de 10 degrés, donc je trouvais que ça faisait perdre un petit peu du sel de la partie. Des plaines verdoyantes, pourquoi pas, ou des grandes plaines. Allez, on va dire qu'elles sont verdoyantes. Les catastrophes, on va les laisser. On va laisser en normal le nom. Arendover. Modor. Modor. Metrolia, c'est un peu con. Gosportia aussi. Big Force, ça me plaît. Allez, on commence comme ça. Tiens, des petites images qu'ils ont mis en plus dans le mode. Je voulais vous montrer les modes. J'ai juste activé des modes graphiques. J'avais des modes qui m'augmentaient la production de ressources, mais je les ai enlevés pour le coup. C'est que la base. Il y a juste donc les graphismes en plus. Un bruit de pluie qui est un peu plus sympathique que celui de base, où on a l'impression d'être dans une vieille douche. Et puis le mode de Colonial Charter, qui nous amène beaucoup plus de structures en plus et de métiers différents. Donc là on commence, je vous montre, j'ai mis en pause, on peut aller jusqu'à x10, on va rester à vitesse x1 pour l'instant. On se construit sa petite interface Big Force. Ici on est le printemps numéro 1, j'ai mes ressources, le bois de chauffage, la nourriture, la pierre, le fer, les outils, de quoi s'habiller, les vêtements stockés, et puis la désert médicinale, j'en ai pas encore, et des matériaux de construction non plus. La santé moyenne des habitants et leur morale. Il y en a 19 qui recherchent une habitation, c'est normal, j'en ai pas fait. Donc on va commencer par faire les habitations. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus important. On va faire des habitations en bois standard. Il y en a beaucoup d'autres là, j'ai rapidement vu avant. On va commencer avec les choses basiques, on implémentera au fur et à mesure. Donc une ici. Bon, pas super bien pour se rendre compte si elles sont bien alignées. Je vais en faire 3 là. Et puis 3 de l'autre côté, mettons. Ou alors je les mets en face. Voilà, tout côte à côte. Et puis une dernière qui sera ici. Elles sont un peu décalées, c'est pas grave. C'est l'originalité. Youpi là. Ensuite, les choses qui sont. On va voir un peu à quoi ça ressemble d'ailleurs. Donc, des vastes plaines. Là, c'est un petit peu plus défriché. Je vais m'étendre un petit peu par là pour tout ce qui est. Je ferai des cultures dans le coin par là. Ici, bon, de quoi pêcher, ça va pas être top sur ces petits ruisseaux. J'ai jamais essayé de pêcher sur des petits ruisseaux. Là, il y a un grand lac. Il faudra que je m'étende par là pour faire du commerce, à mon avis. Parce que là, les bateaux de commerce, je crois pas qu'ils arrivent jusque là. Je sais pas, on verra. C'est en tout cas pas du tout pour tout de suite. Les routes, on va s'en passer. Donc la nourriture de base, il me faut des chasseurs, donc
Les chasseurs, et là, ils vont agir dans ce rayon-là, dans la forêt. À côté des chasseurs, on va mettre des cueilleurs. Et puis, qu'est-ce que je voulais mettre en plus? Des gens pour le poisson. Très important, le poisson, au début du jeu, on peut même en choper en hiver. Ouais, allez, comme ça. Je sais pas si ça va me rapporter beaucoup. Les cueilleurs, etc. Il me faudra aussi une cabane de forestier. Donc ça, c'est dans les ressources. Le forestier. La hutte de forestier, voilà. Qui vont prendre le bois mort et puis en couper. Ça me fera des ressources en plus. Et puis, je vais lancer le truc à 5. Ah oui, avant de mettre sur play. Voilà, le journal des événements. Comme ça, je vois un petit peu ce qui se passe. Ils me font encore les métiers. Les métiers, voilà ici. Donc, au départ, j'ai les travailleurs, j'en ai 10. Bâtisseurs, on va en mettre 5. Les travailleurs vont défricher, et puis les bâtisseurs, bah, ils vont, à votre avis, faire quoi? Ils vont bâtir. Et puis, je pense que je peux mettre en route maintenant. Je vous expliquerai au fur et à mesure des autres choses. Là, on est en vitesse x5. Là, alors, ils prennent toutes les ressources qu'il y a sur ma zone de stockage pour les amener à construire les maisons. Il faut essayer de ne pas construire plus que ce qui est vraiment nécessaire, hein, surtout au début. Après aussi remarquer, mais surtout au début, c'est très important. Ce que je vais faire, juste un poil moins vite, je vais leur dire de défricher cette zone ici là. Donc il y a de la pierre, il y a du fer dans la forêt, il y a plein de choses. Voilà, comme ça. Je peux aussi dire sélectivement de prendre du bois, de prendre de la pierre, de prendre du fer, etc. etc. Dans les autres choses, là, ça c'est pour mettre les limites de production. Ce sera utile, je vous expliquerai en temps voulu. Là, c'est pour donner des priorités. Par exemple, si je veux dire défrichez-moi plus vite cette zone-là, bah, ils vont le faire plus rapidement. Par contre, en fait, moi j'aimerais surtout qu'ils construisent toutes ces histoires par là. Voilà, ces trois choses-là. Donc maintenant, je pense que je peux me permettre d'aller encore un peu plus vite. Donc lui, il dit déjà qu'il a froid. C'est embêtant ça. Je pourrais faire quelques routes. Alors au départ, on va faire juste simplement des routes, enfin des routes, des chemins, je sais pas comment les appeler. En saleté, en terre, voilà. En saleté, n'importe quoi. Allez, moi, j'aime bien entouré. Ton bon sens artistique, il est souvent à désirer. Et puis, on va faire une route qui va mener tout droit dans la forêt. Voilà. C'est ça à construire. Donc, là, j'ai plus les alertes pour. Les gens qui cherchaient une maison, maintenant il faudrait que je fasse juste un forestier. Ah, pas un forestier, un bûcheron. Ça c'est donc la hutte du forestier. Ah, c'est qu'il y a tellement plus de choses maintenant que je m'y perds un petit peu. Toc toc toc. Ah, le sillage, ça, voilà, c'est peut-être ça. Cabane de bûcheron. Hop, lui il va prendre le bois brut. Pour en faire en fait du bois de chauffage. Là j'ai zéro bois de chauffage. Alors on est au printemps, il fait 25 degrés, tout va bien, mais ça va pas durer. Alors j'ai 9 enfants quand même, c'est pas mal. Hein. Ouais, ils se sont reproduits vite les gens. Lynn a 4 ans, 20 ans et 14 ans, d'accord, d'accord. Oui, les enfants passent adultes à l'âge de 10 ans. Youpi là, donc là il y en a 3. Il y a Esto, Raidon, il y a les filles. Avec des petites filles partout. Là, il n'y a personne dans cette maison. J'en ai juste construit une en trop. Bon, ça va pas tarder à emménager. Ok. À partir de 10 ans, eux, ils se cassent. Ils prennent leur indépendance. Il n'y a pas trop de Tanguy hein, dans Banished. Poum. Là, pour avancer, il faut d'abord qu'ils déblaient. Ok. On est au printemps. On a le temps. Ah oui, il y a encore ça. Bon, bah, je vais accélérer. Alors, peut-être pas faire trop de x10 au début.
Là, j'ai mes stocks de matières premières qui sont vraiment pas très très élevés. Toujours personne dans cette cahute. Bon. Il pleut, il fait 32 degrés. Ça va encore. Donc, la cabane de chasse. Ensuite, faudra que j'assigne des chasseurs qui seront puisés en fait dans les travailleurs, qui sont les travailleurs qui sont pas qualifiés. Voilà, c'est construit. Juste un poil moins vite pour vous montrer. Chasseur. Donc, je peux soit le faire là, soit là. C'est exactement la même chose. Jusqu'à 3, je vais en mettre 3. Ce qui fait que j'ai plus qu'un seul travailleur. J'enlève 2 bâtisseurs pour qu'il y ait quand même des gens qui récoltent les ressources que je leur ai dit de récolter. Et qui déblaient tout ça. Donc ça va me ramener de la nourriture. On peut voir là sur chacune des structures qui produisent ce que ça a produit cette année et l'année précédente. Encore rien parce que je viens de le construire évidemment. Toujours rien dans cette maison. Ok. Alors je réaccélère jusqu'à ce que j'aie une nouvelle structure qui soit construite. Voilà, il y a des gens qui viennent de naître. On me dit que j'ai des quantités de réserves qui sont faibles à gauche à droite, notamment de la nourriture. Voilà, moins vite. Là, on va mettre des cueilleurs. Mince, j'ai fermé la liste des métiers. Il y a un travailleur, je vais mettre un bâtisseur en moins et 2 cueilleurs. Pardon, voilà, hop. Et puis j'ai bientôt la hutte du forestier qui va être construite. Et puis je vais baisser un bâtisseur et je mettrai un travailleur dedans. Et puis avec ça, je pense que pour la base c'est bon. Il manquera plus que les pêcheurs après. Ok, on va accélérer encore. Début de l'été, j'ai 100 de réserves de nourriture, ce qui est vraiment pas beaucoup. Je mise sur les chasseurs et les cueilleurs. Step, moins vite. Le forestier, j'en mets un dedans et je me réserve encore un pour la pêche. Quoique, vous savez quoi, je suis un peu en dèche au niveau travailleur. Je vais mettre, là j'en ai mis un sur 3 d'ailleurs. Je vais arrêter le travail ici. Tiens, je peux pas arrêter le travail. Hop, hop. Tiens, mais je voulais arrêter le travail, c'est pas possible. Bon. Bizarre. Ah mais j'ai un enfant qui est passé adulte. Excellent. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ah parce que j'ai le bûcheron encore là qui doit être construit. Il doit d'abord être déblayé. Et puis ensuite... ouais c'est l'été. Je vais quand même accélérer juste la construction de notre ami le bûcheron. Parce qu'il va me falloir du bois de chauffage. J'ai 0 là. J'ai 0-0. Allez, il y en a 2 sur 4 qui sont détruits. Accélère. Non, là, j'ai arrêté. C'est bon, ils amènent ce qu'il faut. Ils ont détruit. Il me faut 24 bois, 8 de pierre. Ok. Je vais en profiter aussi après pour leur dire d'aller couper du bois. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils peuvent. Voilà. Parce qu'une fois que j'aurai il me faudra du bois pour faire du bois de chauffage. C'est la fin de l'été. L'automne arrive et j'ai pas de réserve de bois. Allez, on se grouille. Je suis en x5, allez. On ralentit. Donc là, il me faut. Non. Voilà. Lui, il va commencer à produire du bois dès qu'on l'aura amené dans son inventaire. Donc là, il y en a un qui va lui ramener tout de suite du bois, j'espère. Voilà, c'est parti. Et il va commencer à produire du bois de chauffage qu'on va... enfin, du combustible qu'on va voir apparaître ici. C'est bon. Là, j'ai la nourriture qui monte un peu. 232 nourritures stockées. Dans ma grange, j'ai des champignons, du gingembre, des outils, de la venaison, des manteaux de cuir. Les manteaux de cuir, c'est pris par mes chasseurs. Enfin non, le cuir d'abord. Il faudra que je fasse un tailleur après. Donc là, il dit qu'il a froid parce qu'il a rien stocké comme bois pour l'instant. Je peux voir ce que les autres ont d'ailleurs. Là, il y a du bois de chauffage, 50. Il y a du bois de chauffage. Mais pour les nouveaux arrivants, voilà, il va bientôt en avoir. Voilà, il a pris la production déjà ici de notre ami le bûcheron. Une autre source qu'il me faudra considérer, je pense, pour l'année qui vient, c'est le fer. Et le fer, on en trouve
dans les montagnes ou les collines. Et là, je vois pas de colline. Ah voilà, là, il y en a une. Là, il y a du fer et du charbon, mais j'en vois nulle part ailleurs. Bon. Bâtisseur, est-ce que tu vas me construire maintenant cette histoire-là? Oui, c'est en route, la pêcherie. Je pourrais mettre un travailleur encore dedans, puis après, voilà quoi, je pourrais retirer mes bâtisseurs pendant l'hiver pour qu'ils prennent des ressources, ils coupent du bois à la limite. Voilà, ça monte vite hein, quand même au niveau de la quantité de combustible, ça c'est bon. Ok, là il y a Manny qui a 11 ans, qui est peinard dans sa maison en bois là. D'ailleurs les graphismes, bon voilà, rien de magnifique, mais pour ce qu'on demande au jeu, c'est amplement suffisant. Ok, mes petits stocks, tout va bien dans Big Forks. Voilà, c'est bientôt construit. Ça c'est bon aussi. Je vais mettre un bâtisseur en moins d'ailleurs. Et puis, hop, un pêcheur. Est-ce que j'en mets deux? Là, on va prendre des ressources. Je suis vraiment à la dèche là. Ça me permettra de faire de la place. Là, il y a de la pierre en plus par là-bas en bas. Donc, le récoltage de ressources en gros. Voilà. Bam. Vous allez nettoyer tout ça. Là, je crois que je vais rien construire de plus. On va attendre l'hiver. Hein, donc. L'hiver qui arrive. Enfin, c'est la fin de l'automne. Il fait 0 degré. Ok. Donc, bois de chauffage, nourriture, le plus important. La santé, c'est un tout petit peu dégradé, mais c'est raisonnable. On a 12 adultes, 11 enfants. Il y a eu des nouveaux arrivants. Mais n'empêche, niveau nourriture, ouais, ça peut descendre très vite. Hein. Très, très vite. L'hiver est rude. Ok, les travailleurs continuent à récolter tout ce dont j'ai besoin ici. Voilà, j'ai 4 travailleurs. Ils amènent ça sur les stockpiles qui se remplissent assez rapidement. Hein. Il faudrait que je construise des zones de stockage. On va en mettre une autre à côté ici. Allez, à peu près la même taille. Ok, alors... Là, on a toujours pas commencé l'hiver, c'est maintenant le début de l'hiver. Là, on est à moins 6. Hein. Ça a commencé à moins déconner dans le coin. Donc, le bois de chauffage, j'ai atteint ma limite, mais je vais la repousser plus haut, là. Parce que je veux pas qu'il s'arrête de bosser maintenant. Mince. Combustible. Je vais la mettre à 500. Je me fais pas chier. La nourriture continue à augmenter, c'est bon, ça. C'est bon signe. Beaucoup de gingembre, ben voilà, je comprends pourquoi il y a autant de gosses. Ça nique comme des lapins. La venaison en bonne quantité. Ok, un petit peu de poisson, 5. L'important c'est que la tendance soit à la hausse. Allez, x10. On va faire avancer un peu cet hiver. Ok. Le centre du village s'agrandit gentiment. Il faudra que je pense à faire un tailleur aussi. Pour l'instant, j'ai 4 travailleurs, mais j'ai personne dans les autres métiers. Enfin, en tout cas, au niveau bâtisseur. Moi, je construis relativement vite des... Enfin, quand je dis moi, c'est comme si ça faisait 500 heures de jeu. Ça doit être ma 12e ou ma 13e heure. Enfin, j'avais construit assez rapidement des fermes et des vergers. Il paraît qu'il ne faut pas trop le faire au début du jeu. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez utile. Enfin, on verra. Si vous connaissez bien le jeu, d'ailleurs, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me conseiller. Ok. Là, on est bon. Voilà, ils se sont mariés. Manny, il s'est chopé. Babetta, 10 ans, c'est une travailleuse. Ok, là, ils sont 5. On est à la fin de l'hiver. Je vais mettre un peu moins rapide. Qu'est-ce qu'on va se construire? Alors, niveau bouffe, à la fin de l'hiver, on est à 160. Sans compter, bon, il y a des enfants qui arrivent en plus. On va mettre des gens en plus au niveau des pêcheurs. Pêcheur. Ah, aventurier, ça c'est un truc nouveau. Métier très risqué, bon on verra. Mais c'est fou, hein. Les autres métiers dans la version de base, ils tiennent sur pratiquement la moitié de ce tableau. Donc je disais, les pêcheurs, hop, on va en mettre. Comme ça, bâtisseur. On va mettre un bâtisseur pour l'instant. Ok, très bien. Alors, dans la production de nourriture... Dans ce qui est de base,
J'ai ce qu'il me faut avec les chasseurs, les fermes aquacoles. Bon, ça c'est pas pour tout de suite. Un dock encore moins. Boucherie. Les champs. Moi, je pourrais me faire un petit champ, franchement. On va construire au printemps. Parce que ça prend du temps, surtout les vergers d'ailleurs. On va mettre une route qui part. Comme ça. Puis les premiers champs, ils se feront par là. Voilà. Ok, là, ça me paraît à peu près bien. Je sais pas ce que c'est, ces trucs rouges, d'ailleurs, à récolter. Donc, champs, je sais même pas ce que je peux faire pousser dans le coin. Il faudrait que ça soit défriché comme il faut. Alors, 8 sur 10, d'après ce que j'ai vu, c'est la taille à peu près idéale pour un sol. Alors, 10 sur 8, ou... Voilà. Voilà, 8 sur 10. Là, je vais leur dire de venir en priorité, comme ça, ils vont défricher ça rapidement. Et puis, j'en profite pour m'en faire un deuxième à côté. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ok. Ah, je sais pas si les récoltes vont donner pour cette année. Hein. Ouais, surtout qu'il y a seulement 2 travailleurs. Vous savez quoi? J'accélère. En tout cas, le premier hiver a été passé sans trop de difficultés. Mais le problème dans le jeu, c'est que tout est lent et on peut, quand on fait une erreur, ça peut se révéler 2 ou 3 ans plus tard. Hein. C'est ça qui est un peu pénible et très difficile à rattraper. J'aimerais qu'il y ait plus d'enfants qui deviennent adultes pour que je les répartisse notamment. Là, je peux... Bon, le forestier, ça va pas me rapporter plus de bouffe, mais voilà, les cueilleurs, oui. Voilà, ça, je vais en mettre un en plus. Voilà, il y a eu 2 enfants. Voilà, on a 16 adultes. C'est bien, ça croît bien. Donc ici, ils sont en train de déblayer tout ça. Bon, on est à la fin du printemps. Quoi que je puisse faire pousser, ça sera pas bon pour cette saison. À mon avis, ce sera trop tard. J'aurais pu faire dans les zones déblayées ici, mais je voulais me laisser une place un peu plus nette pour développer ma ville et mettre un peu plus loin les récoltes. Voilà, j'ai des bonnes réserves de ressources. En tout cas, la nourriture, ça augmente un peu. On est au début de l'été. Ok, là, je suis toujours en x10. On va aller un poil moins vite. Ok. Une autre chose que je pourrais faire maintenant. Production ressources. Je voulais faire des textiles. Le tailleur, il est là. C'est important, les fringues, quand même. Voilà. Ok. Donc ici, j'ai 5 travailleurs. Je vais les laisser là pour l'instant. Parce que j'aimerais qu'ils me déblaient vite les champs. Que ce soit avancé déjà au moins pour la saison prochaine. Ah voilà. Donc là, ça va être du sorgho ou des betteraves. Tiens, jamais eu le sorgho. On va faire du sorgho alors. Et on va mettre... Voilà. Un mec sur le champ. Et puis là, allez, hop, on se dépêche. En priorité, vous me déblayez ce champ-là. Chance, si je vais pas faire une... On va mettre un bâtisseur en plus. Une grange. Tout à côté pour stocker rapidement. Ah, je la ferai peut-être un poil plus loin. On va avancer. Voilà. Ok, là ça va bien. C'est toujours en augmentation. Je vais mettre des gens en plus dans les cueilleurs. Là on est au max. Et puis là, un pêcheur en plus. Voilà, 2 travailleurs, 2 bâtisseurs. Le bois de chauffe. Ah, mais je dis on est bien. Moi je regardais le bois, le combustible, mais la nourriture on n'était pas bien. On n'était pas bien vraiment. Alors là, c'est l'été. J'espère que les gens que j'ai mis en plus à la cueillette et puis au niveau des poissons, ça me fait remonter la quantité de nourriture stockée. Parce que ici, la croissance, bah, elle n'aura pas lieu cette année. Ici, il faut que ça débarrasse
toutes les ressources que j'ai pris et j'ai déblayé pour pouvoir commencer la construction, enfin en tout cas l'exploitation. Puis là, à côté, on mettra des betteraves. Plus c'est diversifié, plus la santé est bonne. Oui, quantité de nourriture, voilà, 347. Ça semble porter ses fruits. Si je regarde là, année d'avant, 66 de poissons et de fer et du bois, tiens. Non, là, ça remonte bien en flèche. Et puis là, l'année d'avant, ouais, on est déjà au-dessus des standards de l'année précédente. C'est parfait. Nickel. Ah, alors toi, tu vas faire des betteraves. Ce sera pour la prochaine. Il ne nous reste plus qu'un travailleur. 18 adultes, 8 enfants. Ça continue à grimper. C'est bon signe. Donc là, il nous reste à peu près, je pense, 4-5 minutes d'enregistrement. Je pense que je vais laisser filer comme ça, histoire de voir comment ça se comporte. Le bois de chauffage, on a déjà atteint la limite de 500. Je vais l'augmenter à 700. Quantité de nourriture faible. Ouais. C'est ça le défi. Je pense que je me suis développé un peu trop vite au niveau des gens là. Toujours pas de tailleur. D'ailleurs, est-ce que j'ai des vêtements manteau en cuir? Il m'en reste plus que 4. Du cuir 18. Donc avec le cuir que j'ai là et le tailleur, il y aura moyen de faire quelque chose. Le tailleur est en voie d'être construit. Je suis toujours en vitesse x10 à la fin du deuxième automne. La température est à zéro. Voilà, nourriture 600. Ça devrait jouer pour cet hiver-là. Ok. Là, c'est le forestier. D'accord, il entretient la forêt. Bon, il est tout seul. Pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Ok, début de l'hiver numéro 2. La bouffe, mon plus grand souci. A priori, c'est bon. Alors, moins 4, température. On continue à déblayer. La croissance. Bah oui, je sais pas pourquoi je regarde la croissance comme un teubé. Parce que de toute manière, là, on est en plein hiver. Il va rien se passer. Je crois qu'on va le passer cet hiver aussi, sans trop de soucis. Ah, un herboriste pour la santé des gens. Ça, c'est aussi une chose que je peux faire en plus. Herboriste, ça se trouve. Élevage de vers à soie, alors ça me dit bien. Je sais pas du tout comment on fait. Herboristerie. Nourriture raffinée. Boulangerie. Oh là là, mais il y a tellement de choses à faire, c'est impressionnant. Fibres et tissus, non? Je sais pas où ils l'ont rangé, l'herboristerie, dans toute cette histoire. Forge et artisanat. Tonnerrerie. Fonderie. D'accord. Je sais pas où c'est l'herboristerie. Bah merde. Service public? Est-ce qu'ils l'ont... Ah, ils l'ont mis dans... Bah voilà, j'ai trouvé. Donc herboristerie, on va la mettre dans une zone boisée. Alors, on va la mettre par ici. Allez. De toute façon, j'ai jamais été en dèche avec une seule herboristerie, même sans qu'il y ait tous les travailleurs dedans. Alors, on sort d'hiver avec plus de bouffe qu'on avait en rentrant, donc c'est plutôt bien. Je vais laisser avancer encore un peu le temps en x10. Je pense que je vais même me permettre de construire une maison en pierre maintenant. Ça isole mieux, on utilise moins de combustible. Alors là, on va mettre... un tailleur, il me reste plus qu'un seul travailleur. On va lui amener. Il peut construire des manteaux de cuir, des manteaux de laine. Ça dépend de ce que j'ai. Pour l'instant, j'ai que du cuir. Donc, ça sera des manteaux de cuir. On lui amène le cuir et il construit tout ça. Ok. Et ben voilà. C'est parti. L'aventure. Il y a tout qui est. Tous les ingrédients sont là, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour que le jeu puisse commencer comme il faut. Et voilà, là, vous voyez, oh, ça grandit les sorgho, là, mais c'est fou comme ça grandit d'un coup, quoi. On dirait qu'ils ont foutu quoi, du truc de Monsanto, là, du Roundup de merde, dessus, là, bam! Bon, ok. Et là, c'était quoi déjà? Des betteraves. Alors, c'est parti. Excellent.
Bah, je crois qu'on a, j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous appréciez un petit peu l'ambiance du jeu, ce côté un petit peu survie, le côté médiéval aussi qui est assez sympa, le nombre de choses qu'il y a à explorer. Alors, le problème, c'est que ça peut être vite lassant quand on n'a pas d'objectif. Alors, jusqu'à 100, ça va être cool. Et puis après, à 300, on verra si au-delà, s'il y a une perte d'intérêt, bah, c'est simple, j'arrêterai. Et puis, on n'en parle plus. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Si vous avez des questions et que vous pensez que je peux y répondre, bah, allez-y aussi. N'hésitez pas à partager. Si vous avez envie de vous abonner, je suis aussi là pour ça. J'ai pas mal de nouvelles séries qui ont débuté. Donc c'est le moment ou jamais. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, etc. C'était DRK36 sur Banished. A plus. Ciao.